Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fire. Nous continuons la série de Dota 2, l'enfer du MMR. Et j'espère que vous allez bien, surtout c'est très important, il faut prendre soin de soi. Alors, Timber, oh là, alors là il y a du russe, attention, attention il y a du russe, ça spamme le mic, j'en ai déjà mute. Hein, juste au cas où, parce qu'il a pas arrêté de nous emmerder pendant la phase de pic. Alors, nous allons jouer Timberso qui est un melee offlane et je suis à la bourre pour prendre la rune, donc déjà, c'est pas cool. Ok, bon, ils l'ont laissé tomber, zéro contest. Ok, ils sont pas venus. Et monsieur a décidé de se suicider 1v3. Et voilà, on va line avec ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est bien de donner un first blood gratuit comme ça. Ok, bon, bah on va essayer de faire avec. Alors, Timberso, son... ah, ça, en fait, ça fait tourner une lame tout autour de nous. Donc, tout ce qui est dans cette zone, ça prend des dégâts purs. Pour chaque arbre qui est coupé, ça fait des dégâts bonus au passage. Donc, en fait, il suffit de s'approcher, de faire ce bleu. Voilà. Ça fait des dégâts. Pur, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Et ça enlève des stats primaires des héros qui sont touchés. C'est-à-dire que si votre héros est force, il perdra, je crois, 10% de ses caracs. Boum, ça c'est un deny. Ah, j'ai perdu mon stats. Bien. Bon, au moins là, il se rattrape en lane. Hein. Parce que le Shadow Shaman a décidé de faire du caca. Mais attends, moi je suis pas trop sur le kill. T'es gentil. Oui, ben. Hein. Alors, le passif, parce que là, on fait plein de choses en même temps. Aïe, 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 aïe. Aïe, oh les dégâts, oh les dégâts, oh les dégâts, ils sont bons. Non, je suis pas assez vite. On va éviter de faire Nawak. Ok, ok. Alors, le passif, parce que là, la lane est plutôt active, hein, on va dire ça comme ça. Hein, si... alors, qu'est-ce qui serait pas mal avant-garde. Il propose pas un Vanguard avec Timber offlane, je suis choqué. Ok, donc le passif de Timber, à chaque fois qu'on prend une touche, alors peu importe l'origine, stun. Ouais, bien. Normalement il meurt par Maledict, à moins qu'il régène. Non! Ah, il a régène, il n'y a pas assez de dégâts. A chaque fois qu'on prend une touche, en fait, on gagne un stack d'armure de façon totalement passive, gratuite, qui est limité à un certain nombre de stacks. Et chaque stack que nous obtenons, on obtient un bonus d'armure et de régène de points de vie. Donc c'est complètement fou, parce qu'il suffit juste de rester en vie. Et si on prend beaucoup de petites touches, c'est limite comme si on gagnait de la vie et de l'armure. Parce que plus on se fait taper, plus on... plus on devient résistant. Donc c'est vraiment ouf. Et surtout, ça permet de tanker. Pourquoi il finit pas? Pourquoi il a fini pas? Pourquoi il finit pas? Je vais mourir, je suis tellement mort. Alors là, par exemple, j'ai 20 stacks, j'ai 3 plus 12 d'armure. Et j'ai une régène de 17 points de vie. Voilà, j'ai fait le fou. On va éviter. Je pensais vraiment que Witch allait me suivre dans le... Voilà, c'est ce que je voulais qu'il fasse dès le début. Putain de merde. Ce qui fait qu'on a une régène de malade. C'est très sympa. Plus on augmente les niveaux, plus le bonus d'armure et de points de vie. Et la durée des stacks en elle-même hein, et les stacks maximum sont boostés. C'est vraiment cool. C'est vraiment un passif de malade. Hein.
évidemment. C'est compliqué quand il y a autant de creeps que ça de poser un last hit. Putain de merde. Je vais prendre mon item pour régène plus. Parce que la régène de points de vie sur, sur Timber, ça fait qu'il est virtuellement imbutable. C'est déjà que le passif est fou. On peut bien prendre son temps pour farmer, parce que prendre des dégâts des creeps, bah c'est au final bénéfique. Parce que ça nous fait des stacks, et au final ils nous font encore moins de dégâts qu'avant. Donc, let's go quoi. Donc évidemment offlane un Timber, parce que le but c'est de... ultra race les gens. Oh c'est bien, en plus il a pété son jump. Il y a plein d'arbres, dégâts bonus, malédict, allez boum, ça c'est une mort. Non witch cours. Non cours s'il te plaît. Il a des bottes, ouais il a des bottes. Il va plus vite que moi. Et oui il a des bottes. Je suis parti full tanking, je meurs pas contre Void. C'est ça mon objectif. Putain, j'ai du mal à last hit. Hein. À chaque fois que je lance la record, c'est comme si je perdais toutes mes fonctions. Mais va juste. Voilà. Ça sert à rien de gâcher ta mana. T'as juste push la lane. Hein, avec ton casque. Alors, moi, par contre, je lui ai mis des dégâts vu qu'il a pété son. Il a pété son... Merde. C'est le shift walk, plane walk. C'est comment le nom? Time walk. Voilà. C'est pour ça que je le fais pas moi. Ça c'est bien de la mana gâchée. Hop. Très agressif, Witch Doctor. Très très agressif. C'est un support qui veut ses kills. Peut-être qu'il a, il a un challenge de héros, genre faire X assist avant. Ouais, Shadow déjà c'est plus réalisable. Ok, Shadow abandonné. Il s'est dit vas-y, fuck my life. Parfait. Parfait. L'ulti de Timber, en fait, ça lance une scie. Ça lance une scie, en fait, comme vous avez pu le voir, sur un endroit qui reste à l'endroit visé. Plus les gens restent dedans en étant... Ouais, si, en étant blessés. En étant blessés, plus ça slow. Donc si t'arrives à lancer le chakram, alors j'ai plus de mana moi par contre, je clique droit à mort. Oh, les dégâts. Ah si seulement j'avais de la mana. Ah si seulement j'avais de la mana. J'ai plus de mana. Eh bien Silencer a décalé. Ok c'est un kin. Setup. Est-ce qu'on fait une wand en vrai? Est-ce vraiment nécessaire? On va plutôt faire des Arcane Boots. Oh, on est vraiment un véritable tank. Ouais, donc l'ulti est bien sympa. Hein. Franchement, c'est bien cool. Si t'arrives à peu près à savoir où la personne va aller, normalement ça roule bien. Timber, énorme counter au carry qui font full auto-attaque. Vu que plus t'as d'armure, plus t'es solide, plus tu te fais taper, plus t'as de stack, donc plus t'as d'armure. Voilà, c'est la machination infernale.
Alors, quand on fait notre ulti, ça j'ai oublié de le dire, on ne peut plus auto-attaque. Voilà, c'est le malus d'un sort de fou. Et franchement, enfin, si ça n'a pas changé, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, activer. Ah oui, ça coûte de plus en plus de mana. La laisser sur place, ça coûte de la mana, hein, parce que, évidemment. C'est un coup, hein. C'est un coup de laisser notre ulti actif. Je perds pas de points de vie, je gagne des stacks. J'ai 35 d'armure. Je peux chasser Shadow Shaman, mais comme un sale, quoi. Je peux stacker les creeps. Voilà, ils ont bien push la tour, c'est cool. Ah oui, je précise qu'à chaque fois que le chakram passe dans un héros à l'aller et au retour, ça inflige des dégâts naturellement. Bon, là il y a un putain de push, c'est bien, je vais pouvoir farm. J'ai stacké les creeps. Aïe aïe aïe. Ah, j'aurais peut-être pu prendre un kill. Je l'ai fait pour Arras de base, mais je pense que j'aurais pu prendre un kill. Putain, le silence qui m'empêche de faire revenir la scie. Pas le chien, hein. C'était la blague du siècle. Merde. Ok, on va back. C'est après tout, on farm ici depuis un moment. J'aimerais avoir mes Arcane Boots parce que la mana c'est vraiment un problème. C'est vraiment un très très gros problème. Ah ouais. Attends, je vais faire la mienne. Ouais, parce que vraiment c'est... Petit Orb Lotus, hein, un peu plus de régène de vie. Parce que c'était pas assez. Ça c'est bien cool. Hein. Vas-y, moi je suis chaud. Après, faut que j'arrive à poser un putain d'ulti correctement. Ah, les dégâts, mon dieu, quoi. Allez, 3 secondes l'ulti, 3 secondes. C'est de la folie, Timber. C'est vraiment de la folie. Ah putain, j'ai 6-0-4 quoi. Vas-y, je l'encule. Je vais te sauver, Witch. Et au passage, je vais essayer de faire un maximum d'or. Ah merde. Allez, vitesse maximale. Bon bah moi je fais de l'or, hein. C'est pété. The enemy's middle tower has fallen. Merde. J'ai foiré mon A. Ok, bah c'est bien. Ah, j'ai récupéré tous mes points de vie. C'est génial. Allez, on va refaire des stacks avant qu'ils redeviennent aggro. Putain, c'est fou les dégâts, quoi. Putain, je vais faire George back. Wow. Ah oui, les dégâts. Ah oui. Ah, ça se trouve, le malédic va le finir parce que je l'ai touché avec l'outil. C'est possible, hein. Non, il était pas là.
Là, j'ai même pas de, d'objet neutre en plus. C'est de la folie. Hein. Je comprends pas comment les gens jouent pas plus souvent Timber, hein. C'est vraiment de la folie. Hein. C'est ultra dégueulasse. Pourquoi? Putain, les creeps ont changé de cible, je sais pas pourquoi. C'est abusé. Je farm les mecs. Qu'est-ce qu'il foutait là, le courrier? C'était pas le mien? Si, c'était mon courrier? Mais qu'est-ce qu'il m'apportait, mon courrier? J'ai acheté un truc qui était demandé par mon... Attends, à quel moment j'ai demandé à mon courrier de venir? Ah putain, il y avait le neutre! Mais si, il y avait le neutre. Oui, d'accord, ok, parce que j'ai pas dépensé d'or. Qu'est-ce que c'est que ce sbeul, hein? Schlack, la bonne ligne droite. Laissez tomber les gars, jamais vous mourir. Je suis trop hot pour vous. Oh les petits lostites. Oh les petits lostites. Oh les petits lostites. Oh ouais. Oh ouais. Putain, j'ai 8,05. Eh hey, mon net worth, il est même pas calculé. Ah. Je dois peut-être avoir terminé mon... Bah non. J'ai toujours le calcul de Dota Plus. J'allais dire peut-être que j'ai fini mon mois de Dota Plus gratuit. Mais parce que je suis pauvre. Hein. Il y a hors de question que je paye pour des fonctions mathématiques et statistiques. Je trouve ça un peu méga honteux. Ah ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai pas mon net worth qui est calculé. Ça expliquerait. Oh, la durée des stacks. 16 secondes, putain, quoi. Attends, ça veut dire que je peux avoir 40 fois 0,8 d'armure supplémentaire et 0,7 de régène. Mais, hey, Shadow Shaman et... je peux avoir des wards. J'en ai ras le cul de pas avoir la vision. Je veux savoir ce qui se passe dans cette jungle. Mon dieu, les dégâts purs. Évidemment, plus on découpe d'armes, plus les dégâts sont augmentés. Ah, quand on augmente le niveau du sort, ça augmente la perte de stats des cibles. Genre les stats primaires. Ah oui, d'accord. Blade mail, ouais, ok, je vais m'en remettre. Bon, bah du coup, je ward pas parce que... On va laisser les creeps spawn. Ah. Alors normalement le coût en mana augmente aussi, ouais, par seconde, mais les dégâts par seconde augmentent aussi. C'est bien cool. Hein. Ouais, dégâts. Oh. Ah, voilà, j'ai mon orbe Lotus. Je suis en train de faire une game de salope pour rester poli. Alors, l'orbe Lotus, quand on l'active sur un allié ou nous-mêmes, ça renvoie tous les sorts qui sont jetés sur la cible, sur la personne qui l'a lancé en premier. Ça renvoie tous les sorts. C'est génial. C'est méga top. Surtout quand t'es tank, les bonnes petites wards.
Putain, moi j'en ai ras le cul de pas avoir la vision. Ah! Void qui vient pour farm. Medusa. Medusa va peut-être tenter d'aller dans la jungle. Non. Mais pose pas une ward ici, j'en ai déjà posé deux. Et en plus, on a des wards ici, c'est le premier truc qu'ils vont faire, c'est des wards à cet endroit. C'est ça qui tente. Oh oui, oh, Void. Oh, Void, il vient de m'offrir un double kill là. Merde, le latch il est pas encore assez important. Très solide Medusa. J'ai peur qu'à Kakari si on la laisse. Si on la laisse finir. Alors est-ce que ce serait peut-être judicieux de faire une blind mail? Sinon. Ah, on fait une Shiva d'abord. C'est pas une Shiva cet item? Alors attends, je le confonds. Red Spell Shield, Vague Absorb, Converting Damage into mana. Waouh! J'étais persuadé que c'était une Shiva. Non, non. Enfin, l'amélioration de la Shiva. La Shiva, c'est pas un item que je fais très souvent. Hein. C'est quand même très, très anecdotique et spécifique à des héros qui vont en mêlée. Voilà, c'est pas. Enfin, qui vont en mêlée, qui sont intel ou qui ont cruellement besoin de mana. C'est quand même un archétype de héros très spécifique que je ne joue pas très très souvent. Parce que Axe, Necrophos, enfin Necrolite, pardon. Il s'appelle Necrophos, mais pour moi il s'appellera toujours Necrolite. C'était pas bizarre qu'il les avait fait chier d'ailleurs sur ça? Blizzard les avait fait chier sur Windrunner parce que ça faisait référence à Sylvanas Windrunner. Je crois qu'il leur avait cassé les couilles pour ça aussi. D'usage Shadow Shaman. Putain, je voulais faire Molotus, c'est chier. J'ai mes 40 stacks, let's go. Mais attends, j'avais un DL de... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, internet qui a crashé. Putain, c'était quoi le... Pourquoi j'ai un DL qui était lancé pendant que je joue? Oh non, ça va me buter, sérieusement. Normalement, les DL, ils sont censés se mettre en pause quand t'es in-game. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain, et puis j'ai pas du tout internet, quoi. Oh, casse les couilles, quoi. OMG. Ok, bon, j'ai récupéré internet. Logiquement, Dota devrait suivre. Ah putain, quoi. C'est bon, j'ai pas fait de mort. J'ai 3800. Ok, pourquoi? Je ne sais pas. Spell Amplification. Ah, du coup, ça m'a totalement sorti de mon truc. On avait dit qu'on faisait Shiva. Hein. Ça m'a totalement sorti. Ils ont pris la tour? Non, non, rien du tout. Si je suis pas au top, il n'y a rien qui se fait. Très bien. Pourtant, merde, on était entre la T2 et la T3, c'était le genre de move qui... Ils ont dû paniquer, ils ont fait « Oh mon dieu, la team est plus là !» Ah voilà, Medusa du coup elle est 18 maintenant, putain.
19. L'armure, on va vendre la Queen Blade parce que bon, le farm c'est plus tellement un problème. Par contre, 10 d'armure, ça c'est sympa. Est-ce que vous pouvez acheter des wards? J'aimerais ward leur jungle, nom de dieu quoi. Oh là là, ils sont en train de push les mid. Oh ah non, ne me dis pas que c'est encore ces games où je fais un truc de fou et en fait ça se passe super mal parce qu'il y en a un qui a décidé de faire n'importe quoi. Solide. Capable de vitesse. Il a craqué le fouet. J'aimerais bien choper ma Shiva. Une fois que j'ai ma Shiva, faudrait qu'on push. C'est Shiva et Arcane Boots pour faire vraiment le Lingage Lotus. Putain, ils achètent pas les wards, ça me casse les boules quand ils font ça quoi. Comment ça se fait qu'on ait on ait la vision sur rien quoi, on a une ward d'activer quoi. Et pendant ce temps-là, on laisse Void et Medusa farm, mais venez, on push, quoi. Oh, gauche. J'arrive. Vite, le courrier. Oh, c'était quoi, ça? Ah, je me suis fait stun de là, t'es sérieux? Pourquoi je suis aussi lent? Oh, le double damage, t'es sérieux? Passé où Axe? Allez. Plus de force, plus de dégâts. Ok, bon. On a eu ni Medusa, Ah, on a eu Void, si, on a eu Void, j'allais dire, on a eu aucun des deux carrés, mais si. Faut push, là, j'en ai ras le cul de voir que ça avance pas. Pas de team. On était deux. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on était que deux alors qu'on avait tué 4 personnes en face? Pourquoi personne est venu? S'ils étaient même pas genre à un écran de nous, non, c'est juste ils étaient.
Ils sont partis à air farm comme si de rien n'était. Luna FK. Ah mais OD est resté tellement FK que ça a fait un abandon. Oh putain. Ah ouais, on va vraiment la paumer. Putain de merde. Safe of Vice en vrai. Pour désactiver Medusa, ce serait cool. Non mais on va vraiment perdre cette game. Hein. J'ai fait une mort. J'ai fait une mort en 32 minutes. T'es en train de me dire qu'on va la perdre. Ah, et puis il se fait aggro au moment où je lance la TP, mais putain. Ah bah voilà. Ah non, mais ils vont gagner parce que Medusa... Mais aidez-moi, putain de merde! Ah, oh, j'y crois pas. Non, mais c'est quoi ce système? Skadi, Madness, Manta, Daedalus, Maelstrom! Oh, bien, bien l'ulti de Luna! OD qui a bien protégé Medusa de l'ulti de Luna. Ah là là, mais non. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis piégé dans ce... Dans l'enfer du MMR. Une mort en 32 minutes. J'avais genre 10-0-8. Quelque chose dans ces eaux-là. Et on va perdre la game. On va perdre la game parce que... Parce que Medusa. Parce que Medusa a été freaky le... Alors j'ai même pas... Je vais être honnête, hein, j'ai aucune idée si elle était mid ou bot. Je crois qu'elle était mid. Ah, je sais pas. Hein. Axe Tusk mid, ça m'étonne rien. Et résultat, bah, les deux autres lanes ont fait n'importe quoi. Malgré le fait qu'on aurait roulé dessus... sur le top en offlane, on va quand même la paumer parce que il y a eu un AFK AFK feeder, hein. Attention, très important. Je vais poser une ward, hein, parce que ça a pas l'air de méga les motiver. Qui veut pas se lancer. Incroyable, j'ai survécu. Oh mon dieu, la régène que ça me fait quoi, alors que j'étais à genre 40 points de vie.
Non. Voilà, Luna qui était pas avec nous. Et voilà, le russe de l'équipe, celui que j'ai pré-mute, évidemment. Surprise, je ne crois pas. Ah, t'as même lui, il le dit que c'est le russe. Allez, maintenant il se fait soloter. Tu veux mourir? Non, mais t'es un support, mec! Et voilà. Non mais vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a que Witch Doctor qui a essayé de faire quelque chose. Medusa Déco, alors on a une chance. ce serait plus qu'un 2 contre 4. Non mais sérieusement quoi. Ah, ça me dégoûte quoi. Le BKB, ça compte de ouf. Non mais il a une vitesse de malade. Hein. Non mais le BKB, j'ai aucun de mes sorts qui fonctionne, qui passe au travers, hein. Aucun. Donc voilà, c'est normal que je n'ai absolument rien pu faire contre l'axe. Une fois qu'il était sous BKB, moi, je suis pas censé, faire des dégâts contre des gens qui ont le BKB. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il foutait dans la jungle, quoi, non mais... Oups. Ok, ça fait vrai. Donc quand on fait la Safe of Ice, bah ça transforme en cochon quelqu'un, c'est 3,5, c'est ça? 3,5 secondes. Un peu plus jeter de sort, ni taper, voilà, c'est stun ultime. Et sa vitesse de mouvement est réduite à mort. C'est vraiment très très cool. C'est sympa de gâcher l'ulti de... Oh là là! C'est sympa de gâcher l'ulti de Witch Doctor au dé. Oh, la portée de la chaîne. Oh. Non mais franchement, c'est démentiel de voir que des gens puissent jouer autant contre nous alors qu'ils sont dans notre équipe. Qu'est-ce qui me manque comme j'ai le fou encore. Je sais pas, assez de dégâts. Il me faut une équipe.
Je suis permastun, je peux rien faire. Permastun, permaex. Mon blade nail, hein. Vas-y, je te l'ai fait ta blade nail, je peux te la one shot presque. Mais Axe fait aucun dégât. Void, oui. Putain, j'ai 60 secondes de Pena, quoi. Putain, ils vont même pas sauver les Rax, quoi. Sérieux. Oh, je suis dégoûté. On va vraiment la perdre. Ce qui me dégoûte, c'est que on va perdre sur des facteurs qu'on ne peut pas contrôler. De deux autres lignes qui foirent, résultat, tu te retrouves à carry alors que tu joues Timber. Je suis pas fait pour carry, moi. Déjà, le fait que je sois toujours efficace. Après, c'est un très bon personnage late game. Attention, je n'ai absolument pas dit qu'il était mauvais en late game. Hein. Dès que son BKB se termine, je le ex. Non mais... Non, je l'ai ex, tu meurs. Tu meurs et putain mais pusher le mid quoi. Putain c'est fou quoi. Là, ils ont des morts, let's go. Mon dieu, la portée de la chaîne, c'est deux écrans, quoi. Putain, je veux qu'on push, je veux prendre des objectifs. Bien, ne meurs pas s'il te plaît. Tape pas la tour, imbécile, tape le truc qui fait des dégâts. T'as le focus, je vous jure. Mais où est notre team? On n'est que deux à push. Vin Maras. Ah, résultat, ils ont buyback. Bon bah salut hein. Mon dieu, j'aurais jamais pu faire ça avec aucun autre personnage que Timberso. Survivre à ces fights complètement en combat là comme ça, il y a que Timber qui pouvait faire ça. Putain, le silence infini.
On n'a pas pris une seule rax, mon dieu, ils avaient 4 morts. Ils avaient 4 putains de morts. On a pris qu'une tour. Putain, j'ai pas le temps pour une game qui va durer 3 plombes là. Putain, la déco, les feeders. Qu'est-ce qu'il me reste comme item à faire à ce stade? Spell lifesteal. Ah ouais. Faut que je vende le Vanguard. Vas-y, let's go. Du spell lifesteal. Non mais moi je veux bien jouer en groupe, y a pas de soucis frère. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec les autres gogolitos là? Comment ça vient de faire? Il est mort là. D'où il est mort? Ah, ils sont en train de faire rush. Eh, s'ils font rush, c'est foutu. C'est complètement foutu. C'est foutu. Oh, le silence. Non mais d'où il m'a fait ça? Pourquoi il m'a transporté ce con? Oh là là, je me suis planté de cible. Oh là là, oh c'est juste. Non mais, hey, sérieux? Sérieux, on n'aurait pas OD, on se démerderait mieux, je crois. Ah putain, quoi. Bon bah voilà, bah c'est perdu. Maintenant vous comprenez pourquoi... Putain, 70 d'or, je pouvais buyback en plus. Vous comprenez pourquoi je reste dans le... l'enfer du MMA. Voilà. Genre, comment on a perdu cette game? Bah à cause d'un russe qui fait n'importe quoi. À cause d'un liver, d'un OD qui utilise mal ses sorts, qui sauve les ennemis, qui tue les alliés. Silencer, je crois qu'il a pas fait un seul teamfight avec nous. J'ai dû le voir genre une fois en 50 minutes. Vraiment de la folie. Qu'est-ce que c'était que cette game de merde, ça? Vraiment, c'est la game d'anthologie. Fait d'où on a perdu ça, quoi? Parce qu'on a une équipe d'attardés. Non mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Voyez-moi ça, il a pas arrêté de spam en plus. OD, il a déjà bouffé son report, mais je vais quand même la void. Non mais c'est n'importe quoi. Comment on a perdu ça, quoi? Bon écoutez les amis, voilà, c'est mon quotidien. Mais là, je dois avouer que le niveau était assez balèze. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur la découverte de Team Burso. Preuve qu'on peut vraiment casser des culs avec, hein, pourrir un void. Mais bon, si on a des alliés incompétents, ça ne fait pas la game. Malheureusement, ça marche pour beaucoup de héros. C'était la chaîne Fire, et je vous dis naturellement, ciao à la prochaine !